mais je vais essayer tout seul. Hop là, on met la cartouche. Clic clac. Donc on est un peu au début de la Mega Drive aussi. Magnifique esthétique années 90. Parker Lewis. Le Prince de Bel Air, tous ces trucs là, on est à fond dedans. Là. Esthétique du début des années 90. Donc c'est l'histoire de deux rappeurs extraterrestres aliens qui pètent et qui rotent. Comme par hasard. Est-ce que ça a une influence sur moi? Peut-être. Et c'est mieux de jouer à deux parce qu'au moins on peut s'aider, on peut. Après ça c'est par l'écran, c'est un peu compliqué le gameplay, mais c'est quand même plus fun à deux. Et je l'avais fini à l'époque ce jeu. Avec mon cousin, c'était la fierté quoi. Là il raconte un petit peu. Et d'ailleurs à l'époque il n'y avait pas de VF, donc on apprenait un petit peu l'anglais en jouant aux jeux vidéo. Ça c'est leur vaisseau. C'est un peu comme Pikmin en fait, le gameplay. Ils se prennent un météorite sur la tronche et ils tombent sur terre et toutes les pièces du vaisseau sont dispatchées sur différents niveaux. Donc il faut monter en niveau pour récupérer toutes les pièces et reconstruire le vaisseau pour rentrer à la maison. Donc c'est un peu comme Pikmin. C'est un peu Jacques et Cédric de l'espace. C'est exactement ça. Un petit break là. Je connais par cœur. Donc c'est toujours un troll là, il est en train d'expliquer. Récemment on a eu un petit problème. Oh, j'adore cette esthétique, j'adore ça. J'adore. Quand même cool hein, d'imaginer les mecs qui ont créé ce jeu, ils ont dit ok on va faire deux. Deux aliens rappeurs qui pètent et qui rotent. Quand ils tournent avec le vaisseau, ça fait des bruits de dérapage. Non mais tout est beau là, l'esthétique, le fond animé. C'est les vieux clips de rap de l'époque là. Donc là il évite les météorites. Bam! Non! Mais où vont-ils s'écraser? Là ils ont l'Antarctique. On détruit je pense l'intégralité de l'Antarctique en s'écrasant avec l'échelle qu'on a eu. Il a un petit pendentif avec sa TJ tout jam. Les bonnes converses. Les Red Hot Chili Peppers, la ligne de base. Ça groove, hein. Et voilà, fin d'intro, c'est parti. Je vais prendre Earl. Même la typo, ouh, elle est géniale, je trouve, c'est trop beau. Play new game, random world, jam out. Fix world. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas, on va faire random world. Let's go. Donc ça c'est la Terre. Normalement j'ai un... Drop. Open. Donc j'ai un bouton pour ouvrir le menu des cadeaux. Ça c'est la map. Voilà, là j'ai les chaussures. Je peux courir vite. Hop là. Hop là. Louf. Donc le petit ascenseur me permet... Oula. L'ascenseur me permet d'aller au niveau supérieur. Hop là.
avec un petit break de hip-hop. Salut Sika, ça va ? Ça, c'était toujours un peu long. Magnifique ce jeu, je l'ai poncé. Tu l'avais fini ou pas, Arinj ? To Jam is on vacation, donc l'autre personnage. Pearl is a winner. Donc là, j'ai toujours mon petit cadeau que j'ai pris sur le... Voilà, là, j'ai pris un bout de fromage dégueulasse, ça m'a enlevé de la vie. Et il n'y a pas de pièce de vaisseau dans ce niveau, parce que... Si c'est le cas, ils nous le disent au moment où l'ascenseur s'ouvre. Après, il faut juste que je trouve l'autre ascenseur. Je vais me reprendre des cadeaux. Hop là. Je sais plus à quoi ça sert la boîte à lettres. Ah oui, je peux mettre des trucs. Ah, je peux acheter des cadeaux. D'accord. Ça va aller. Pas que je mange les arêtes de poisson parce que ça va me rendre malade. J'ai entendu, il a fait un petit rototo quand il a mangé le truc qui était caché derrière la boîte. Et voici l'ascenseur. Alors quand le téléphone sonne... Si je tombe là, je retombe au niveau d'avant, donc c'est un peu chiant. Le téléphone qu'on entend, ça, quand tu décroches, voilà, ça ouvre... Oh, des œufs bacon, bien bien. Let's go, le petit rototo. Et voilà, le téléphone, ça dévoile des cases. Il est aussi fun à deux. Ouais, il est beaucoup mieux à deux, hein, c'est ce que je disais. Hein. Après, c'est un peu chiant quand l'écran sépare et tout, c'est un peu galère à se retrouver. La petite ligne de basse. Doudoudoudoudou. Les objets que tu ramasses, ça te servent à quoi ? Ben, c'est les cadeaux. Alors soit de la bouffe ça te remet de la vie ou ça t'en enlève si c'est des trucs dégueulasses. Les cadeaux, c'est ce que j'ai ouvert, c'est les... Je vais en ouvrir d'autres, tu vois, t'as plein de petits items pour t'aider dans ton aventure. Comme des bouées, des ailes, des lance-pierres qui jettent des tomates. Ça du coup c'est les chaussures, E-tops, vu que je l'ai ouvert une fois, après quand je l'en retrouve, ben maintenant il n'y aura plus le petit point d'interrogation. Faut ouvrir un cadeau une fois pour après que tu saches ce que c'est. Donc on va faire celui-là. C'est quoi ? Alors, encore des chaussures. C'était le cadeau surprise celui-là. Donc il n'y avait pas le petit message nous disant qu'il y avait une pièce de vaisseau, donc je peux avancer allègrement. J'ai de l'argent ou pas ? Ça c'était pour vous montrer, mais elle me redonne de l'énergie quand on fait ça. Contre un dollar. Tu peux avoir des armes, ouais. Lance-pierre tomate, c'est pas mal quand tu te fais agresser par les petits diablotins. Et... Vous avez vu, toutes les fonds sont différents à chaque fois qu'on prend l'ascenseur. Donc c'est assez varié esthétiquement, c'est cool. Toujours pas de pièces. D'ailleurs, je me demande comment c'était généré à l'époque, les mondes. Est-ce qu'il y a un côté un peu aléatoire, c'est quoi le délire ? Parce que les mondes se ressemblent pas, on les enchaîne et c'est jamais les mêmes, quoi. Alors, attention, là, il y a un essaim d'abeilles, ça pique fort. Ça, c'est chiant, parce que dès qu'on se rapproche de la danseuse hawaïenne, on danse et du coup, on peut se faire attraper, aïe aïe aïe, par les méchants, et voilà. Hop là. Si je reste trop longtemps sous l'eau, je meurs évidemment. Un des cadeaux ultimes, c'est des chaussures roquettes. Où là, on traverse vraiment tout le... Ah, tu sens la rotée. Hop là. Non. Donc évidemment, plus on avance, plus ça devient dur. Donc, pour l'instant, j'ai toujours pas... de pièces de vaisseau. Ça ne saurait tarder. Oh là là, ça c'est une feinte! C'est pas une vraie boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres méchante qui est brrrrée! Et si je tombe, je retombe au niveau d'avant, donc c'est pareil, c'est un peu chiant aussi.
Oh, le beau gâteau. Ouh, attention, j'ai failli tomber là. Allez, on va faire un petit cadeau. Feu d'artifice. Je me demande comment ça a marché les générations de... Un téléphone! Wow, il est grand ce tableau là, dis donc. Le hamster il m'écrabouille hein, si je vais à côté de lui. Qu'est-ce que c'est quoi? J'ai ouais, un petit problème de roue là. Oh, ça c'est trop bien. Salut Zaza. Oh non, je me suis écrabouillé. Aïe aïe aïe. Oh, il va m'écraser encore. Non, je vais tomber. Yes. On n'est pas sur 21. On joue à la Mega Drive parce que ça fait 35 ans aujourd'hui qu'elle est sortie. Ah bah tiens. On va aller voir la madame. Merde, c'est tombé. Alléluia. Et voilà, je récupère toute ma vie. Let's go, merci madame. C'est quoi déjà monsieur Carotte, Arinch là tu peux me backseat là, c'est autorisé sur les sessions de Mega Drive. Ah ben là on a le droit, là on n'est pas en RP donc toute aide est la bienvenue. Ah mais attends. Ah mais oui là aussi je peux rembobiner. Tu paies pour découvrir tes cadeaux, ok. Ah oui, puis les monstres dorment aussi, on les réveille en s'approchant d'eux, en faisant du bruit. Voilà ce que je viens de faire à l'instant. Ah, les tomates! Tiens, enfoiré. Je l'ai eu! Tiens, enfoiré. Donc les tomates c'est pour se défendre dès qu'il y a des méchants, des abeilles, des hamsters géants, des... Même les danses... Ah la carotte! Bonjour. Oui. Merde. Je peux pas identifier. Putain, je me trompe de bouton. Je me trompe de bouton. C'est sur quoi qu'il faut que j'appuie? Sur celui-là? Ah, mais c'est parce que j'ai pas assez. Je suis bête. Salut Falcon, merci d'être passé, c'était cool. Et vive le replay! Est-ce que je vais dans la bonne direction? Ouais, ça va être là-haut. Allez, je reprends les chaussures. Je suis un peu le foufou. Pas trop quand même. Let's go! Regardez ces petits sauts là. Oh, de l'argent. La moula. Oula, non, mauvaise idée de venir ici.
Ça doit être par là-bas ou tout en bas. Putain, j'y suis pas. Faudrait que je trouve un peu des cadeaux là. Salut Ramazozo, merci d'être passé. Ah, j'espère que c'est pas en haut, hein. Je pense que c'est plutôt en bas, moi. Vers là-bas, là. J'ouvre mes cadeaux un peu. J'adore la Mega Drive, j'adore ça. Il est où le Fontel? Ah, il est là. Trop bien. Ouais, ça m'a pas trop aidé. Il est très très grand ce tableau. Hein. Bien sûr. J'y jouais quand j'étais enfant, mon cher Flotch. Je l'avais fini avec mon cousin une fois ou deux, je crois. Ah là, si le petit Cupidon me tire dessus avec une flèche, il inverse mes commandes. Ah, il y a l'ascenseur. J'avais rejoué il y a quelques temps aussi avec en stream, je l'avais fait avec Luxon, fils de la chance qui était venu jouer avec moi. Vu qu'il avait aussi la Switch, on avait pu jouer ensemble, c'était cool. Et j'aime ce jeu, Flotch, parce que c'est deux aliens rappeurs qui pètent et qui rôdent. Ah! Ça, ça veut dire qu'il y a une pièce. Là, il faut trouver une pièce de vaisseau, la première. La dame avec son caddie, elle va me tuer, hein, si jamais elle me... C'est bon. Eh oui, tu comprends. Puis ces petites musiques funky pop, là... Là. Et c'est bien plus fun quand on joue à deux parce qu'ils ont des interactions tous les deux. Ils sont des high-five quand t'en as un qui est en galère. Et en plus, tu peux te partager le taf parce que l'écran se sépare en deux. Il y en a un qui va au bout du tableau, l'autre à l'autre bout. Et puis ça permet de chercher les pièces un peu plus vite. Quoi. Mais tout seul, ça va, c'est marrant. C'est ça qui était cool avec. Non, il va me faire tomber! Bâtard! Pas qu'il me touche avec ses flèches, sinon c'est la merde. Il y en a deux. Non! Et voilà, c'est arrivé. Putain, j'ai les commandes inversées. Salut Torgal. Bon, on s'en fout. Oula. Ouf, c'est passé très près. Oh, mais déjà on a trouvé le... On a trouvé l'ascenseur, c'est une bonne chose. Root beer. Tomate. Spinchou, c'est quoi? C'est le...
c'est plus vers le haut, vers le haut. Vers le haut. Je pense que là ça va. Ah non, mais par contre je peux, si j'y arrive. Yes! Non, je tombe dans le petit trou. J'avais réussi mon jump. On voit bien sa petite raie du cul, vous avez vu? Ça va. Ouais, elles sont grandes les maps. Vous en pensez quoi, vous? Quand vous découvrez ce jeu, vous dites quoi? Putain, c'est cool, j'ai envie d'y jouer. Putain, c'est trop cool, c'est mal fait, c'est moche. Ou est-ce que ça vous donne envie de tester, surtout à deux? Après, c'est à l'ancienne, hein. Conscience. Mais franchement, c'est un vrai plaisir. Contrairement aux autres jeux que j'ai lancé tout à l'heure, Altered Beast, Space Harrier et tout, c'est vraiment injouable, c'est chiant. Même Earthworm Jim, c'est un peu juste quand même, même si c'est du shoot. C'est un peu trop tordu, je trouve, pour trouver sa direction et tout. Là, celui-là, c'est vraiment fun direct. Y a pas photo. Est-ce que je suis au bon endroit, moi? Pas le moment pour s'arrêter. Ok. Et le mec a fait la musique. J'aimerais bien savoir qui c'est. J'ai jamais eu la curiosité de regarder. Ouh, il y a la pièce, elle est là. Elle est là. Il faut que je fasse le tour. Ou si jamais je reprends Spring Shoes et que je fais gaffe. C'est bon. Oh la vache. Putain, juste. C'était maîtrisé ce petit saut là. Hein. Let's go. Attends, mais j'avais trouvé l'ascenseur tout à l'heure, non? Pourquoi je le vois plus? L'ascenseur. Ah, l'enfoiré. Non. Non, elle va me faire tomber. Ah, mais c'est bon, j'ai récupéré mes sens. John Baker, tu l'as inventé ce nom, Flutch. John Baker. Donc là, j'ai pris une route bière, il va pas arrêter de roter pendant une minute. C'est John Baker. Des fois, quand on va au bout du précipice, ça révèle d'autres petits passages. Là, ce n'est pas le cas ici, c'est dommage. Voilà, le médecin fou Simpy qui me fait très mal. Aïe! Voilà, par exemple. C'est un peu sadique, là. Est-ce que là, ça va ouvrir le terrain? Putain, fais chier, je suis bloqué.
Attends, je vais voir à droite. John Baker. Bravo John Baker, de bien belle musique. Jazz, funk and hip hop. Herbie Hancock, putain, génial. Ah, c'est pour ça les scratch et tout. Trop bien. Magnifique. Merci Flutch. Bah ouais, Herbie Hancock, c'était. Il faisait du funk, il avait fait. C'est un des premiers morceaux. Ah, ça y est, je l'ai fait, etc. Un des premiers morceaux grand public avec du scratch. Et l'album Headhunter, je le trouve génial, je l'écoute, moi, il y a des morceaux super bien. Putain, il est très mal placé. Très très mal placé. Oh non, je suis dead! C'est... Non. Putain, il y a un dentiste là aussi, il fait chier. Je suis perdu là. Oh putain. Ah mais attends, je sais. Mais putain, il est où cet ascenseur? Je suis sûr qu'il est dans le petit carré au milieu là. Fais chier. Tu m'étonnes qu'on y jouait pendant des heures pour finir ce putain de jeu là. Ouais, random pas bon. Il me bavait dessus. Ah. C'était un bon moment ça. Mais putain, je passe par où là? Non. Non. Ça va me faire mal. C'est juste gauche, droite, au bas, c'est... Ok, pff, putain. J'ai appris au replay que tu faisais partie du groupe Jolamook dont je connaissais d'avant, je suis déçu. Ah! Eh ben oui, Jolamook depuis toujours. Tu faisais quoi au replay, Trollman? Ok, bon, là, je suis dans la bonne direction. Je pense que c'est le seul petit carré que j'avais pas exploré, c'est là où il y a l'ascenseur. Mais pourquoi? Pourtant tout à l'heure je l'avais. D'accord. Je l'avais vu mais j'avais pas ouvert la. Putain, c'est dommage. Parce que c'est limite.
Eh ouais, d'accord, il fallait juste que je monte un petit peu. Putain, c'est con. J'ai perdu du temps là. Bon, ben on a une pièce, hein. C'est déjà ça. J'aime bien rejouer à des vieux jeux vidéo. Ça change du RP, c'est cool. Je sais pas si vous kiffez. Allez, une deuxième pièce. Let's go. Donc le sable, là, c'est du sable mouvant. Et ça fait chier. Si je reste dans le sable mouvant, je dead. Et lui, il est chiant, là. L'ombre qui se rapproche de moi, lui, il fait très mal. Thomas de Strada. Ah bah déjà on a l'ascenseur. Donc cette fois-ci je valide le carré. Let's go. Donc c'est avec toi que j'avais discuté, Thomas. Et c'était ton ami qui s'était fait engueuler parce qu'il était venu faire une photo avec moi alors qu'il était on duty. Au, au! Laisse-moi tranquille! Wow, let's go! J'ai trouvé la pièce, c'est bon. Elle est tout en haut à droite. Eh bien, ça va aller vite, c'est bon ça. Est-ce que c'est une gentille boîte aux lettres ou une méchante boîte aux lettres? C'est une gentille. Ah, ça c'est bien, Rose Bûcheuse. Comme ça. Je mets des roses derrière moi. Quelqu'un va me courir après. Echo, c'est... Ah, j'aime pas. Hein. Vraiment, je trouve ça chiant. Non, mais là, je suis parti pour finir tout Jammer, là. Deuxième pièce, là, let's go. Hein. C'est un peu un défi avec moi-même, ça fait tellement longtemps. Et ça va, il s'est pas fait virer, j'espère, ton pote. Il a eu un petit avertissement, une petite tape sur les doigts. Allez, je peux aller. L'ascenseur assez facilement, ça c'est cool. Lui c'est le boogie 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 boogie. Il me suit, il me lâche pas. Il me lâche vraiment pas. Laisse-moi tranquille! Boogie 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 boogie. T'as vu, il me lâchait pas, hein. Je lancerai une petite partie d'RP vers 20h, les amis, 20h30. Je ferai une petite session. J'aimerais bien avoir le... La bouée. Ah, alors ça c'est à double tranchant parce que ça m'amène sur un autre spot de la map. Parfois en l'air, donc je retombe en dessous. Parfois non. Et voilà, et là il m'a mis sur une île, donc je suis niqué. Je vais être obligé de tomber. Où est-ce qu'il m'a mis? Ah ouais, il m'a mis au pire endroit. Bâtard. Donc je vais tomber. Let's go. Il y a le boogie boogie qui est là, je atterris dessus, super. Mais laisse-moi tranquille, boogie boogie. Je crois que ça laisse les amis à distance, le ghetto blaster. J'ai plus de vie. Hein. Ouais, je trouve à bouffer.
un petit dollars. Bilibili-pip, j'aime tellement cette musique. C'est promesse de Super Game. Il y a un cadeau qui est cool, c'est une bouée. Ah non! Et la bouée, ça me permet d'aller dans le petit lac et m'amuser avec. Oh là, deux cadeaux et un ascenseur, let's go. Oh non, j'avais plus de vie. J'avais pas vu. Je pouvais pas retenir ma respiration. Aïe aïe aïe. Putain, j'ai plus de vie là. 3. Pipidipou. Bon, dedans. Elles sont excellentes, les musiques de Touch of Manor. Donc là, j'étais au niveau 7. Ça va monter en difficulté. Il va y avoir des méchants, encore plus méchants. Quand on monte les niveaux. Et par contre, il y a des frites. J'aurais bien voulu avoir ça avant. Pip, pip. J'ai fait mon petit ventilo, ça sert plus à rien, le ventilo. Allez, un peu plus de cadeaux, ça c'est bien. Money. Oh là là, les étudiants, les geeks. Une horde de geeks. Attention. Ok, je suis tout en haut du tableau. Oula. Oh, c'est bon. Oh non! Ça c'est le pire monstre. Je peux rien faire, je suis obligé d'attendre qu'il me lâche. Et souvent il me lâche exprès dans le vide. Non! Non! Reviens! Reviens sur Terre! Bâtard! Entre les deux, putain. Putain! Ça va Delta Plane? Ouais, je me fais un gros kiff avec... avec tout jamais énorme. Enfin, du coup, il n'y a que Earl. Ça va, je suis pas loin. Bon, il est encore là! Non! Laisse-moi tranquille. Putain. Oh la vache, c'était chaud. C'est un jeu qui date de 1991. Et je peux vous dire que j'y jouais à l'époque. J'avais 12 ans. Et c'était un énorme kiff. Putain, non, c'est pas vrai. Non. T'aimes pas les musiques de ce jeu, Delta Plane? Attends, elles sont fantastiques. Ah, il a été cool, il m'a pas mis dans le vide. Mais t'es fou quoi, ils sont géniaux. Parce que t'aimes pas le funk et le hip-hop. Je pense que moi c'est vraiment ma zig préférée de tout Mega Drive. Y en a pas une qui est au niveau de. C'est varié, ça groove, ça joue. Non, c'est cool. Hein. Justement, par rapport aux autres musiques Megadrive, des fois qui sont un peu pétées. C'est quoi que t'aimais bien, toi, en Megadrive? Je crois que je me fais piquer mes cadeaux s'il me chope. Ah, je savais! Street of Rage, ouais, elles sont super, celles de Street of Rage. C'est vrai. Pas le même délire, c'est plus dance un peu.
jerk, enfin du new beat dance. Putain, je suis écrasé par les geeks. Vraiment des enfoirés. Laissez-moi tranquille. Ah ! Et ils m'ont raccroché. Hein. J'aurais dû sauvegarder en fait. Ah mais tiens, je prends un Sundae. Putain ! Putain ! Ah oh, le pire truc. Je vais mourir, et voilà. J'aurais dû sauvegarder, je le savais, j'ai plus de vie. Merde ! Bon, je vais m'éloigner des méchants, là. Oula. Ça fait un joli petit bruit de poudre quand il m'écrabouse les geeks, là. Doorway? Ah non, c'est chiant. Ok, bah ça va être au niveau de la route, un peu plus loin. Et ouais, il y avait les deux teams, hein, Nintendo ou Sega. Ah, le petit ascenseur, let's go. Après là, c'est un parti pris. Très marqué, hein, un peu hip-hop funk, c'est trop marrant. C'est vrai que les musiques de Street of Rage, elles sont vraiment cultes aussi. Ces petits scratch, là. Petit scratch 8 bits. Quand il y a un roté. À l'aise, hein. Alors. Ça rentre fort. Ah, le téléphone. Super, ce qui va m'aider. Je suis à gauche ou à droite? Vous pensez quoi? Gauche ou droite? Gauche ou droite? Oh, et ben voilà. Let's go. À manger, un petit dollar ici. C'était ni gauche ni droite, c'était un peu plus haut. Déjà niveau 10. Est-ce que je vais réussir à le finir? J'ai quand même perdu pas mal de vie là. Ok, deux petits cadeaux. Pip 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 pip. Ah, il y a le requin, là il faut pas se baigner. Pip, 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 pip. Oh non! Putain, il va me laisser soit dans la flotte, soit dans le vide. Non, oh putain, bâtard. C'est insupportable. Putain. Le vieux mec avec la tondeuse là, il va me faire mal lui.
trop loin. On va y aller. En chaussures. Regardez comme il est beau là. Pourquoi il prend la vitesse? Let's go. Ah, il fait bip bip quand il va trop vite. Bip 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 bip. Méga blast. Ah, moi, mon vrai jeu préf, super préf, c'est celui-là et c'est Speedball 2 aussi. Jump. Speedball 2, on y a joué au replay. La prochaine fois d'ailleurs que je fais une session Mega Drive, je ferai. Ah, mais il était pas d'ailleurs dans les jeux. Je suis obligé de passer par un émulateur. Il est ni sur la simulation, ni dans. Oh ah, putain, ça va trop vite! Oh merde! Je me casse. Oh, quel con! Bon, ça va, je vais mettre à côté de l'ascenseur. Pip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 
Oh putain. J'ai plus qu'une vie. Ça va partir en game over. Hein. Je suis dégoûté. Tiens, je vais prendre une porte. Putain, c'est maintenant que j'en avais besoin là. Oula, oula, oula. Mais non, putain. C'est quoi ce coin à top? Mais non, je me fais piquer tous mes cadeaux, enfoiré. Ah, j'ai la bouée. Oh non, j'ai la bouée, mais y a pas de lag. C'est trop rigolo quand il nage avec sa petite bouée, là. Il est pas trop beau avec sa petite bouée là. C'est riche quand même. Hein. C'est la Bretagne ici. Il y a plein de trucs. Par contre, j'ai plus qu'une vie donc je vais mourir. Hein. Je vais faire une sauvegarde rapide. Comment ça marche? Ça marche, putain, j'aurais dû faire ça avant, je suis con. Le petit cadeau qui clignote en bas, pour me dire que c'est bientôt la fin, la bouée. Le Père Noël, il va repartir en jetpack. Père Noël se déplace en jetpack, évidemment. C'est ça que j'aime dans ce jeu, moi, c'est absurde, il y a plein de... Ils étaient un peu foufou les programmateurs de ce jeu. Ah, fallait que je... Mais comment je fais pour le taper? Je peux pas le taper. J'ai des tomates? Ah! Garder les roses. Non, 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 non. Ok. Oh non! Putain. Ah, plus de tomates. Aïe, 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 attention, je peux me les prendre dans la tronche aussi. C'est une pluie de tomates. Tout à fait, vous ne rêvez pas. Putain, je me prends plein la tronche. On voit les petites ombres au sol. Ah, putain, je me fais dépouiller. Je me fais dépouiller, plus rien. Merci. Zombie hates my neighbor. Ça, je connais pas. Oh, ça doit être sur la droite, la pièce là. Elle va pas être à côté du. Bien excentré quand même. Hein. Il y a un cadeau. J'ai plus de cadeau là, j'imagine. Avec des ailes. Tu peux voler, c'est des petites ailes Icarus. Tu fais flap, 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 flap. Oh putain. Le jeu, il est dur avec moi. Là.
Allez. Salut Zivi. Putain, j'ai oublié de faire tout le tour là. Ouais, j'ai plus de cadeaux. Mais putain! Non mais c'est où là, sans déconner, comment je fais? C'est pas possible! Je vais où là? Ça va être compliqué là. C'est le level des tops ici quoi. C'est les cadeaux que j'ai laissés tout à l'heure. Ah, enfin. Il y a eu un reboot de serveur ? Quand ça ? J'ai enfin fait l'affiche pour la soirée. Je l'ai envoyé à tout le monde. Je vous montrerai après. Ah, voilà. Pip, 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 poup. Ok, putain, il fallait que je trouve ce spot là. Putain, ça va être la galère pour retourner jusqu'à l'ascenseur qui est vraiment à l'autre bout de la map, quoi. Oh, faut que je fasse tout le grand tour là, c'est horrible. C'est un cadeau ça. Ah non, un livre. Forcément, le livre s'endort. Donc maintenant, faut que je le réveille. Que j'appuie sur les boutons. Génial. Oh, vous entendez le petit orchestral hit? Ça, Francis, il aime ça. Tomate. Allez, tiens, prends ça, là. Foiré. Ah, attends, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Wake up! Ah, un petit burger. Toujours quand je n'ai pas besoin. Hein. Oh! Je vais envoyer les tomates sur la danseuse hawaïenne.
Voilà, ciao. Violence gratuite. Ouais. Tiens, on manque plein encore. Ah putain, il aurait pu me faire le petit raccourci ici. Hein. Faut que je fasse tout le tour, la vache. Ah. Oh non, j'ai plus de tomates. Donne des cadeaux, toi, là. Putain, est-ce que je peux aller de l'autre côté de la map en passant par ici? J'ai plus de cadeaux, c'est la dèche, là. C'est bien. Faut que je puisse joindre avec l'autre côté de la map, quoi. Pas sûr que je puisse. Oh non, elle va me faire mal. Ah, c'est bon. Allez! Putain, c'est juste au-dessus, je suis dégoûté. J'ai limite envie de tomber pour revenir. Non, je vais faire ça là. Raté. Tu payes qui? Est-ce que je suis loin de... Oh non, je suis à côté, c'est cool. Ah, la Valkyrie? D'accord, je pensais qu'elle allait chanter juste. Oula. Quand même risqué là, il y a beaucoup de requins. Hein. Oh non! Pire moment! Pire moment! Oh la vache! C'est les roquettes, je vous en parlais tout à l'heure! Je vais retomber d'un autre niveau. Aïe 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 aïe. Vas-y, reviens sur la terre ferme là. Foiré. Oh putain. Deux niveaux, je suis tombé. Elle qui meurt. Commence à être compliqué là. Non, pas le livre! Ça y est, le jeu est contre moi là. Ah putain, c'est ça qu'il me fallait. Ça, meilleur cadeau. Quatre traits du cul là. Meilleur outil ça. Si j'avais eu ça, en fait je suis con parce que je l'avais dans mes cadeaux. Oh, je suis tellement loin, putain.
Ah, c'est un leurre, regardez. Non. Ah, il a pris mon leurre. Comme quoi ça marche. Allez, les godasses. Pip, 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 pip. Non, pourquoi je passais pas? Ouf. Ça a failli être game over là. Ah ok, c'est bon. C'est chaud. C'est ton côté funk, Nicolas Nos. Alors, j'ai les chaussures. Ok. Bip bip. De sport. Putain, j'ai plus beaucoup de vie, c'est ma dernière vie. Aïe 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 aïe. Ça sent mauvais pour la suite. Pom, 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 pom. Après, je suis têtu, moi j'ai envie d'essayer de le finir. Je crois que je recommence une partie une prochaine fois. C'est idiot. Je pense que je garderai mes petites sessions de Mega Drive pour le dimanche, c'est bien, c'est cool. Encore une pièce! Let's go! Faut pas que je décède. Oh non, il y a les poules avec le canon à tomate. Oh, Rocket Skate. Ok. Oulala, 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 oulala. Ok, vers le haut, c'est bon. Oh, ok, la porte, trop bien. Ouah. C'était chaud. Bon, au moins, on a un petit peu exploré. Allez, putain. Aïe, 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 le piège. Je m'échappe. Aïe aïe aïe, je suis presque dead. Pip 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 pou papou. Et si je décède, j'arrête, hein. Tant pis, hein. Je change de jeu. Bou 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 bou. Ah, mais y'a un cadeau là. Oh, le petit bugger. Ça en même. Et merci. Wow. Sub. Merci sans lactose. Ça m'a surpris l'alerte. Merci beaucoup sans lactose. Ça fait plaisir. C'est gentil comme tout. Bienvenue à toi. Laissez-moi tranquille. Oh, je vais crever. Putain, des tomates qui tirent des poules qui tirent des... Oh, t'as vu. Oh. Non. Je vais mourir. Ça y est, c'est la fin. Il me reste une vie ou c'est game over? Ouf.
Pipipipapapou. Je rappelle que si le petit Cupidon me touche avec sa flèche, mes commandes sont inversées. Le petit téléphone me dévoile des parties du tableau. Ok, d'accord. Pip, 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 pom, pom, pom. Ce qui est bien, c'est que j'ai les ailes. Me casse. Carré swing. Il est vraiment génial le gameplay de ce jeu. Joko, t'es revenu, ça va? Non. Tu sais quoi? Let's go. Ok, je reviens là. Ah! Encore les roquettes, au secours. Oh la vache. Ah, je crois que j'ai une vie en plus, non, c'est pas ça. Oui, une petite vie. Let's go. Vas-y, sauvegarde. Donc il y a une pièce à prendre dans le niveau où j'étais tout à l'heure, faut pas oublier. Oh, un petit raccourci, c'est cool ça. Bip 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 bip. Bip 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 papapou. Allez, le petit ascenseur, ça va, c'était pas trop long. On y retourne. Doum, boudoum, boum. Oui, il y a une pièce à prendre. On sait. Où est-ce que je vais aller la chercher cette pièce? Putain. Est-ce que je vais en haut ou est-ce que je vais en bas? C'est ça ma question, moi. Je me demande si c'est pas le petit carré en bas là. Non, les bâtards! Eux, ils sont casse-couilles. Hein. Ouais, j'ai pas de cadeau. Je pense qu'elle est là, la pièce. Ou pas. Non, peut-être là-bas. Doudoup. Oui! Ah putain, j'ai senti. J'ai senti qu'il était là. Let's go! Je pense qu'il me manque 1, 2, 3, 4, 5 pièces à peu près. Pour moi, quand je jouais à ce jeu, on avait trop notre argent. Oh! Bien, on prend. Cassez-vous les poules! J'ai plus de cadeaux.
Non, je suis sur la Switch. Je suis sur la Switch et t'as deux manières de jouer à la Mega Drive sur la Switch. C'est soit t'as le Online Plus, donc tu peux jouer à la Mega Drive, soit il y avait un jeu qui était sorti. Une compile des jeux Mega Drive. Donc c'est cool. Là, je me suis mis sur l'émulateur parce que je peux rembobiner. Bah, c'est vrai que j'aurais pu faire ça tout à l'heure aussi. Bah, je joue dans les vraies conditions. Bruit de poule. Oh putain, mon cadeau nul, j'ai fait apparaître un essaim. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, pâté en croûte? Non, c'est pas bon, c'est y a pas aimé. Je crois que quand je trouve pas mal d'argent, au bout d'un moment ça me... Ah là, il y a de la bouffe. Voilà, là on se refait, c'est bien. Et merci pour le sub. Ouais, merci, je vais 2000. Ah oui, j'ai trouvé l'ascenseur. Merci, c'est grâce à toi, tu m'as motivé. Avec des os bacon, je me fais attaquer tous les côtés là. Donc je me casse. Francis, il vient ce soir. Il va venir à 20h30, 21h. Je voulais faire un petit live. Je vais faire d'autres lives un peu en complément de Francis. Ça change un petit peu comme ça. Je sais que vous êtes tous accros au RP à Francis, mais c'est bien de faire d'autres trucs. Oui, il y a une pièce. Trop bien. Ah, regarde. Boing. Je traverse. Bip, bip. Bip, bip. Bip, 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 bip. Les autres lives, je vais faire. J'ai plusieurs idées. Et. Oh, ouais. Aïe, aïe, aïe! Va tranquille! Le bouton d'attriche, vous vous rappelez? J'aurais dû m'en servir tout à l'heure. Putain, je suis con. Là, j'ai plus le choix. Hein. C'est comme ça que je vais finir le jeu. Hein. Oui, mais bien sûr. Très calibré là les sauts. Let's go. Allez. Et je trouve la pièce. Si c'est pas magnifique ça. Il est où le fun? En vrai il en manque pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5 je pense. Vas-y, je sauvegarde. Bah je pense que là en trichant avec le rewind et la sauvegarde je peux y arriver. Hein. J'aurais pu le faire avant de perdre mes 4 vies là, mais... Il est où le téléphone, putain? Donc Meneb, je vais faire plusieurs trucs. Je vais faire... Enfin, j'aimerais en tout cas faire un truc de React où je revois des vieilles vidéos de Dimitri Tapper et de Batégaël, ça j'en avais parlé. Faut juste que je trouve le bon moment pour le faire. Je pense que je vais le faire le soir, au moins je fais mes sessions RP après... Putain. Hop là! Bouton de la triche. Laisse-moi tranquille. Putain, il me lâche pas. Ah non, il me lâche pas, il me suit en fait. Bon, c'est insupportable. Tu peux aller aussi loin avec le bouton de la triche. Merde. Ok. Casse les couilles les abeilles là. Donc tu réactes sur les vidéos, ça j'aimerais bien. J'aimerais bien refaire un truc de talk aussi, je vous en parlais. Peut-être le matin entre 10h et midi, un truc genre le petit tea time.
pour recevoir les copains et tout, et discuter comme j'avais fait avec des artistes et des potes. Ça, ça manque un peu de faire du talk, c'était cool. Oh, tiens, je vais sauvegarder parce que j'ai avancé, je suis pas mort. Et j'aimerais faire un truc qui s'appelle Frame aussi, où je vous montre des captures d'écran de passages de films. Un peu dur, pas forcément des moments évidents. Et vous, vous devez essayer de deviner quel film c'est. J'ai déjà commencé à compiler des captures d'écran. Donc ça, c'est pour bientôt. En fait, je laisse passer la semaine là où je vais à la Biarritz. Et le week-end où je serai pas dispo, le week-end ensuite. Et après, je pense à partir, donc pas de la semaine prochaine, c'est le lundi d'après, je vais commencer les nouveaux petits programmes. Voilà. Donc c'est pour bientôt, les amis. Parce que j'avais plein, à chaque fois, j'arrête pas de bouger à gauche, à droite, je sais que j'ai des trucs. Mais ouais, le talk, ça me tient à cœur parce que j'avais commencé sur Twitch avec ça, avec le goûter. Et voilà, au moins ça change un peu du RP, je pourrais faire des sessions RP comme d'habitude, comme je fais entre 16h en gros, 15-16 et 20h, hein, c'est à peu près ça, mais j'ai l'air de... Ah ouais, c'est bien, tu peux voir les... Non ! C'est pas le moment pour les roquettes ! Ok, on va retourner vers là-bas. Et on va remonter vers là. Oh non, 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 non ! Chier. C'est ça, Nico. Merci. Putain, je vais retomber encore là. Oh bah tiens. Ça va, c'est bien passé. À partir du 6 novembre, tout à fait, ça va twitcher plus fort. Je voulais le faire avant, mais à chaque fois, j'ai des obligations, j'avais dû aller une semaine à Paris, revenir, repartir à Cannes, refaire des trucs. Là, cette semaine, il y a Halloween, Biarritz. Et je repars en coup de vent à Paris vendredi prochain, parce que je vous en avais parlé, je vais faire un floodcast. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Enfoiré, putain. Autant de la triche. Et voilà, donc ça fait plein de petites zozoteries. Mais ça va être cool au moins, il y a un petit floodcast, il y a plein de... Il y a des trucs sympas. Problème de riche, c'est ça. Pas vraiment. Je suis pauvre en ce moment. Mais c'est juste que j'ai pas le temps pour bien installer les programmes et je veux pas commencer à lancer un truc si une semaine après j'arrête. J'ai pas la régularité, donc c'est pour ça que j'attendais d'avoir un peu plus de visibilité pour pouvoir relancer des trucs. Faire des vrais rendez-vous, quoi. Là, c'est dimanche, en Mega Drive tranquille, voilà quoi. Je pense que l'ascenseur est ici. Ouais, Mega Drive, c'est cool pour le dimanche soir, c'est bien. Enfin, après, on est bien. Le boogie. Mais casse-toi ! Boogie. Il est pas là l'ascenseur là ? Il y a pas un petit bout d'ascenseur ? J'ai l'impression qu'il y a un petit bout de pixel d'ascenseur là. Il est pas loin, c'est ça, hein, c'était bien l'ascenseur qu'on a vu. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour aller traverser ? Ouais, c'est bon. Le recoupe le son de l'ascenseur, c'était bien ça. Et c'est surtout que ces derniers temps, je préparais la campagne... Oh, encore une pièce ! Putain, mais on va finir ce jeu, là ! Campagne Ulule aussi, ça m'a pris pas mal de temps, ces bêtises, là. Et ça va se lancer vendredi, normalement.
En fait, je me rends compte que tous les gens qui font des campagnes nuit, c'est des équipes entières qui gèrent le truc. Moi, je fais vraiment tout en solo, donc ça prend un peu de temps. Les chaussures. Donc, il faut que je trouve la pièce. Yes, ok, on a déjà l'ascenseur. Ça, c'est great. Ah, il est là. Ok, pas la pièce, mais bon. Quand même pratique d'avoir les baskets. Hein. Allez, un peu de bouffe en sauvegarde. Grâce au bouton de la triche, je vais pouvoir finir. Lire ce jeu. Ça va mieux là, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Il y a un petit moment critique. Non, ça c'est pas bon. Ça. Et voilà. Ouais, j'ai bien perdu 3-4 vies d'affilée sans faire le bouton de la triche. Donc là maintenant, si je veux finir le jeu, mais c'est trop cool si je finis le jeu là. Putain, devant vos yeux ébahis. Mais vraiment, un des trucs qui était vraiment trop cool au replay aussi, c'est que j'ai rencontré un éditeur qui, je vous en ai parlé la dernière fois, qui fait des jeux Mega Drive. Maintenant, il développe le jeu. Oui, c'est la pièce. Putain, un, je crois qu'il m'en manque 3. 4 avec le hublot. Et faire le jeu Francis McDouglas, ça serait tellement cool. Ça coûte de la thune, ça prend du temps de développement et tout, mais... Pas dans ce style-là, plutôt faire un Street of Rage Francis, quoi, karaté bagarre. Ça serait tellement cool. C'est le projet d'une vie, ça. Donc ça sera peut-être une deuxième campagne Ulule. Un jeu Francis, ça serait comme Street of Rage, mais avec Francis qui fait karaté bagarre. J'aimerais bien qu'il y ait un niveau en quad aussi. Un peu à la Outrun, quoi. Les jeux de voiture à l'ancienne vu de derrière, là. On peut faire plein de trucs, hein, sans que ce soit trop... Après, il y a les contraintes de la Mega Drive, donc on peut pas faire tout et n'importe quoi, mais... Et ce qui est cool, c'est que ces jeux, leurs jeux, ils les mettent aussi sur Steam. Donc pour ceux qui n'ont pas de Mega Drive, c'est pas grave, vous achetez pas la cartouche, vous pouvez jouer sur Steam. Donc ça, c'est quand même un peu la folie, quoi. Mais juste, si on fait un Street of Rage avec les gangs qui viennent, c'est marrant, parce qu'on peut jouer avec les couleurs, en plus, on peut faire les boss, on peut faire... Si on en parle avec... Si j'en parle avec Alex et tout, je peux faire la mano, je peux faire... C'est trop marrant, quoi. Madame Parnasse pour l'acheter de la bouffe. Aïe! Attends, c'était quoi le délire avec la Valkyrie, tu m'as dit? Elle tue les autres? Ah ouais, trop bien. Putain, c'est cool! Non mais en vrai ça ferait un jeu de ouf. Puis moi je pourrais faire des petites musiques comme ça, je m'éclaterais trop à le faire, quoi. Je pourrais faire des versions 8 bits, 16 bits des morceaux de Francis, la rave. Bah ça ferait carrément Street of Rage, ça serait trop bien. Des trucs avec les orchestral hits aussi, karaté bagarre, y a déjà tous les morceaux, ils sont là, quoi. Ça serait ouf, hein, en vrai. Mais bon, après, bon, c'est utopique, c'est un doux rêve. Il faut de la tutune. On est d'accord que j'ai pris la pièce. Je suis perdu là.
Je viens de prendre la pièce là, il faut que je prenne l'ascenseur, c'est bon. Oh bah tiens. Hop là. Promotion. Non. Attends, j'ai jeté. Promotion, je vais mettre. Merde. Go. On va faire des rototos. On va jeter le rain cloud. Donc c'est drop. Et voilà. Ça c'est cool cette option quand même. Est-ce que j'ai des développeurs dans ma commu? Eux ils font chier. Merde. Oh putain. Bah après il faut quelqu'un qui dessine tout. Les graphismes de Francis, des méchants, les fonds. Après maintenant avec l'intelligence artificielle tout va plus vite évidemment, pour générer des fonds et tout. Les différents mouvements des personnages, après bon c'est, si on fait du basique... Non. Putain mais cadeau. Tiens foiré. J'arrive pas à le toucher, putain. Tiens, meurs, saloperie. Putain, bâtard. Je me fais dépouille de tous mes cadeaux, là. De la triche, on aime. Bouton de la triche. Ouais, je suis con, j'ai repris exactement le même. Hop, casse-toi. Non. Je vais mourir. C'est pas ça que je voulais faire, putain. Tu peux faire des stats, jeu 2000. Ça, c'est cool. Oh, je suis pas tombé, trop bien. Allez, je me casse. Je me tire. Je me tire en rotant quand même. Vous imaginez à quel point ado était heureux en jouant à ce jeu. Et ma mère qui râlait, qui me dit, attends, c'est quoi ce truc qui rote et qui pète là-haut? Mais non, mais attends. Blague. Non. Toujours pas. Allez, attends. Ça va mal se passer. Ah non, c'est bon. Alors. Bon, y a pas de pièce ici. Oh, j'ai le lance-pierre. Putain.
Ah, je l'ai eu. Foiré. Je suis vraiment revenu où j'étais, hein. Mais tu sais développer, toi, Nico, des jeux? Tu sais faire ça, toi. Tu as cette capacité-là. Merde. Oh, putain. Est-ce que je vais au bon endroit? Oui, c'est bon. Oh oui, un petit gâteau, venez bien. On se refait là. Bon, par contre. Laisse-moi tranquille. Pipi pipi pipou. L'impression que ça va être plutôt en bas, hein. Oui, oui, c'est simple, le gameplay, il est simple. Ça, je le sais. C'est ça qui est cool, hein. Franchement, Street of Rage, tu vois, c'est... Voilà, moi, j'ai pas joué à Street of Rage aujourd'hui. Parce que... Mais c'est... J'ai refait les 4 il y a pas longtemps, et franchement, ça se joue trop bien, encore. Merde. Putain, je sais perdre au pire moment. Au pire moment. Bien cette sauvegarde, c'est très pratique. Alors, oh putain, faudrait que j'aille en bas là. Quoi, une folle. D'accord. Encore ce truc là. Je suis sûr qu'il est en bas là. Faut que je remonte là-haut. Non, mais après le portage Mega Drive, je peux voir avec l'éditeur. Ça, c'est pas grave, c'est eux qui gèrent ce truc-là. Le truc, c'est de. Il faudrait faire des tests en fait. Faudrait. Boogie boogie boogie. Tiens, enfoiré. Putain, mais il me lâche pas là, la tornade! La tornade. Putain, ça marche, hein, les roses là, ça arrête, hein. Hop. Non! Salut, Cécile! Je t'ai envoyé la fiche, t'as vu? Allez, laisse-moi ici, c'est bon. Ciao! Yes. Ah, il y a le boogie de merde. Oh, il y a un peu de temps, putain. Laisse-moi tranquille! Allez, il va être là, l'ascenseur. Putain, j'ai pris la pièce ou pas? Je m'en rappelle pas maintenant, du coup. Perdu là. Attends, je vais faire un truc, je vais sauvegarder. J'ai fait tourner, ah mais super. Je vais faire une session après vers 21h.
une mini-session. Ah, c'est loin, sa mère. Pip, 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 boum. Ouais, c'est pas beaucoup plus près, hein. Pipipipipipipou. Allez, j'y suis presque. En fait, je fais ça parce que je vais pas capter si j'avais pris la pièce ou pas. Donc là, je vais remonter. On va voir s'il me dit il y a une pièce. Niveau 16. C'est pas ce soir, ils disent le concert. C'est mercredi. Et non, il n'y avait pas de pièce, donc je vais... Hop là. C'était un peu long, mais bon, au moins... Est-ce que ça peut être là? Ah, ça, je pense que ça m'a mis dans la bonne direction. Pire sauvegarde, quand même, juste devant le... Allez. Let's go. Mais oui, vous êtes là les oiseaux, ça fait plaisir. Le game plat. Ah, yes. Oui, bon bah je peux pas sortir en fait. Les gars. Mettre un petit buisson de rose derrière moi pour me protéger des méchants. Je peux... Ah, ça se moque. Ah oui, ça se moque. Voilà. En fait, tu vois, il faut que j'aille sur les bords pour que ça déclenche des petits raccourcis. Après, sinon, le gameplay est plutôt basique, hein. T'as un bouton pour ouvrir les cadeaux, un bouton pour utiliser les cadeaux, un bouton pour une commande pour jeter les cadeaux qui te plaisent pas quand tu sais que c'est des pièges. Là, par exemple, j'en ai des pièges ou pas. Une folle Icarus, non, c'est cool, c'est les ailes. Tiens, on va se regarder un petit peu. Heureusement que j'ai le bouton de la triche. Sinon, je serai déjà mort. Ah, je me suis piqué avec mon propre buisson. Aïe, aïe. Ce petit voix avec Scratch, il est magnifique. Temps. Je me trompe encore sur les commandes. Hein, putain. Merde! Ok. Je vais avoir un cadeau en l'air. Dibidibidibadababou. Ça sert à rien d'aller là.
Ah, l'ascenseur déjà. Super. Il faudrait que je trouve du miam miam. Oh! Let's go! Putain, trois pièces il me manque. Ah là là, il va me violenter. C'est très fort le salaire dans mes oreilles, putain, j'ai tout monté. Allez, allez, allez. Allez, il va pas m'avoir. Ouf, c'était chaud. Let's go! Je vais le finir, hein. Avec le bouton de la triche. Bouton de la triche. Allez, encore une pièce, let's go. Si, je sais pas si t'as capté, mais il y a un bouton de la triche. Je peux rembobiner. Comme ça, avec un petit effet VHS. Je vais l'utiliser au début du jeu. Oh Gaël, tu es si beau Gaël. Tu me fais du bien. Merci. Ah, trop bien. Bah ouais, il faut le faire à deux. Ça m'énerve, c'est trop bien. Et tout seul, c'est marrant aussi. C'est un peu plus challenge. Pipi, pipi, papou. Doum, doum. Non. Eh ben oui. Il me suit. Vite le gâteau. Non ! Bâtard. Faut que je prenne un autre chemin, peut-être. C'était chaud. Hein. Non, ça s'est raté. Parce que des fois, quand tu mets... Bord, tu peux. Oh, putain, casse-toi le boogie. Putain. C'est si long. Encore. Ah putain. Il y a une deuxième. Allez. C'est bon. Putain, c'est trop bien le bouton de la triche. Oula, non, ça faut pas prendre. Nico, j'aime bien quand il fait son Calimero. Quand on lui dit pas bonjour, quand on joue pas avec lui à Warzone. Mais pourquoi personne me dit avec moi? Pourquoi personne me dit bonjour? Calimère puissance 2000. Pipa pipa papou. Non, c'est nul. Hop là, je vais laisser le cadeau nul. Allez, faut que je trouve une pièce ici et l'ascenseur. Salut patate.
Il y a la pièce. Let's go. Trop bien. Putain, je vais le finir, hein, bordel. Je vais le finir. C'est trop cool. J'aimerais tellement faire le jeu Francis Mega Drive, ça serait tellement fou. Oyo, oyo. Ah, mais casse-toi là! Vous voyez comme ça peut aller vite un game over là? Ah non, j'ai encore une vie. Il me traque, hein! Putain, foiré. Il me lâche pas, putain! Rototo. Ah, oh, Julien, comment ça va, Zozo? Ça, c'est un cadeau que j'ai posé tout à l'heure. Je vais pas le reprendre. C'est les éclairs. Je t'avais pas dit, Julien, que j'ai un peu la phobie des araignées, moi. Des souris. Les araignées, je m'en fous complètement. Les souris, j'ai un peu la phobie. Fait que je pense que j'ai mis 3 heures à m'endormir chez toi la dernière fois. Parce qu'à chaque fois que je m'endormais, je les entendais qu'ils étaient sous le canapé. Je les imaginais venir pisser sur mon visage. Et à chaque fois que je m'endormais, j'entendais. Donc je me réveillais. Et ça jusqu'à 3h30 du mat, 4h quasi. Et après, il fallait que je me réveille pour aller prendre le train. Ça m'a fait rire quand le matin on m'a dit qu'il y en avait 2. Je vais mourir! Oh, c'est ça qu'il faut. Va sur le leurre, enfoiré. Ouais. Oh putain, y a pas d'ascenseur. Hein. C'est soit tout en haut, soit tout en bas. Putain. Ça va être chaud. Allez, tiens. Hop là. Non! Ah, remarque, si c'est en bas, c'est pas mal. Très mauvais choix. Un bouton de la triche. Oh oui! L'ascenseur est là. Youpi, youpi, youpi. Let's go! 6. C'est peut-être moi qui ai pissé sur ton visage. Somnampisse. Oui, tu m'avais d'ailleurs raconté une histoire de somnampisse, mon cher Julien. Mais c'était bien, on a passé une bonne soirée, on a mangé des bonnes pizzas, on a bien papoté avec ton fiston et tout, c'était cool. J'ai beaucoup aimé cette soirée. Après, les souris, bon, ben voilà, hein, passion souris. Mais tu sais que moi, quand j'en avais chez moi, je faisais comme toi, j'avais un piège. C'était un peu moins stylé que le tien, mais ça les tuait pas non plus. Et j'allais dans le parc le plus proche. Et on m'a dit, non mais tant que tu vas pas un kilomètre, elles reviennent en fait. Alors, quand j'ai vu ta dernière vidéo où tu remettais le... Merde. Je me suis dit, les prochaines que tu chopes, mets-leur un petit point au blanco dessus. Tu leur mets un petit point blanc là, pouch, au blanco ou avec un feutre ou j'en sais rien. Et au moins tu peux checker, tu fais une vraie expérience scientifique. Ça serait marrant, non? Putain, mais laisse-moi tranquille là. Ouais. Tu vois, on peut pas parler avec toi. Est-ce qu'il y avait une pièce ou pas? J'ai pas fait gaffe. Il y avait pas de pièce. Oh, j'ai un doute. Non, il y avait pas de pièce, sinon j'aurais fait. Il y a une pièce. Allez, je suis mort. Attends, d'ailleurs. Voilà, ça va être compliqué. Hein.
Alors, jusqu'où je peux rembobiner? Ah, je suis à l'air. Ah, ok, je suis au bout. Quelqu'un peut faire un prout reverb pour Julien Méniel, s'il vous plaît, sans vous commander. Merde. Julien, je pense pas qu'il y ait des masses de prout de chaîne. Non, on l'a pas entendu. Ah si, putain. Ça prend du temps, hein. Merci Nicolas Nos. Yes, un deuxième. Julien, aujourd'hui, c'est les... Oh, il y a l'ascenseur. Tu es si beau, Gaël. Tu me fais du bien. Merci. C'est les 35 ans aujourd'hui, Julien, de la sortie de la Mega Drive. Vas-y, fais péter les proutes de chaîne. Hop là, c'est les 35 ans aujourd'hui de la sortie de la Mega Drive au Japon. Aujourd'hui même. La rave. C'est pour ça que, voilà, j'ai pas d'RP là. Je vais faire une petite session de RP après. Allez, vous faites tourner toutes les alertes. Ça, on aime ça. Fier d'être un zozo. Mais sinon, j'étais bien sur ton canapé là. J'ai hâte de revenir chez toi. Mais quand il y aura moins de souris. Bravo, tu as déclenché la récompense suprême parce que tu es une belle personne. N'écoute pas ce que disent les autres. T'es super. Celle-là, c'est 15 000 points de chaîne, donc autant te dire. Tu dépenses là. Ça marche bien! Super et top ça, mais ça c'est des méga chaussures. Hein. C'est vrai que ça les vaut. Donc il n'y avait pas de... Y avait... On a besoin du petit Francis. Francis, bonjour. Tu connaissais ce jeu, Julien, ou pas? Parce que ça, c'est tout Jammer, c'est un de mes jeux préférés sur Mega Drive. Deux aliens qui rotent et qui pètent et qui font du rap. C'est pour ça que la musique est très funky, inspirée de Herbie Hancock. On a su ça tout à l'heure. Ils se crachent, ils se prennent un astéroïde et se crachent sur Terre et toutes les pièces du vaisseau sont dispatchées. Donc là, on a une espèce de planète Terre un peu fofolle, c'est très absurde. Tu vois, là, il y a une horde de geeks qui m'écrabouillent. Et c'est vraiment trop cool. Quand tu joues à deux, c'est encore plus marrant parce que tu peux faire des interactions avec l'écran qui se sépare. Et j'ai quasi fini parce qu'il me reste deux pièces à trouver et c'est la fin du jeu. La Mattel. C'est vrai que tu m'as montré ça. On aime cette petite musique funky. Si je tirais des tomates à la gueule, là. Oh, il m'a tué. Heureusement que j'ai le bouton de la triche. Putain, il me traque. Attends, il y a un deuxième. Ah, il y a un deuxième. Ah, super. Let's go! Les roquettes. Rien à foutre. Faut faire gaffe parce qu'avec ce bonus, tu peux très vite tomber. Oh là là! Comme là, par exemple. Heureusement qu'il y a le bouton de la triche. Que l'on n'avait pas sur la Mega Drive. Ah.
c'est un peu tout ça. Ce qu'on a vu tout à l'heure, je me demandais que c'était qui avait fait la musique. Et c'est, comment il s'appelait ? Parker ? John Parker ? Qui s'était inspiré de Herbie Hancock. Époque où Herbie Hancock avait sorti son album qui mélangeait le funk et le hip-hop. Et c'était un des premiers morceaux avec du scratch. Je sais pas si tu te rappelles, Jules. Premier morceau grand public où on entendait un mec scratcher, quoi. Et moi j'adore Herbie Hancock, il y a des putains de morceaux vraiment trop cool, quoi. Oh là là, j'ai trouvé l'ascenseur. On se refait là. Regardez la vie là. Allez, un petit cadeau en plus. Je vais le finir ce jeu. Hop là. Salut Augustin. Ça vaut quoi ? John Baker. John Baker. Je m'appelle John Baker. Bonsoir. Oh, il était beau ce fond, on l'avait jamais eu. Allez, il y a une pièce. Putain, j'ai presque fini, c'est cool. Est-ce que c'est une gentille boîte aux lettres ? Non, c'est une méchante boîte aux lettres. Bouton de la triche. Je me suis un peu trop approché. Je vais plutôt aller vers là-bas. Pim pim pim. Pipi pim. Mais il me semble que j'ai des ailes là. Let's go! Et je prends même le cadeau et je me casse. Et le petit Sunday. What? D'où il sort lui? Putain, piège. Allez, encore de la bouffe. On est bien là. Attention, boogie boogie. Je refais une santé là. Bientôt j'aurai une deuxième vie. Merde. Encore un cadeau. Oh non, il y a un boogie boogie boo. Oh non, ça redistribue tous les cadeaux, merde. Pim 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 pim. Donc là, il y a une pièce. Putain, mais il y a beaucoup. Oh oui, la pièce, elle est là. Let's go. Il m'en manque une. La vache. C'est trop cool. Putain, mais je l'ai pas fini depuis que je suis enfant, ce jeu. Je suis trop content. Trop content de péter, de roter. J'ai remonté ma vie à fond, en plus. Là, c'est chouette. Merci le bouton de la triche, ouais, c'est super. Merci le bouton de la triche, ouais. Allez, je pense que l'ascenseur est par là, en plus. Ah non. Oh là là, il est où l'ascenseur là? Il est en haut, tout en haut, tout en bas. C'est con, ça aurait été bien. Ah voilà, 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 c'est ça qu'on veut. Non. Je vais finir tout jamais Nurl. Oh putain, j'espère qu'elle est en haut. Mauvais choix.
choix tactique. Pim 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 pam poum. Bien ce qu'il veut. Allez. Oh putain. Ouais, je suis un peu loin là pour faire tenter le saut. Yes. Vas-y, ouais, on remonte, vas-y, hein, tranquille. Pas obligé de me laisser. Non, vas-y, retourne sur terre, vas-y. De la triche. Ça passe ça ou pas? Oui! Quel magnifique saut! Let's go. J'adore! Merde. Alors, je vais où moi? Putain, c'est en haut ou c'est en bas? Titoum-toum. Je pense pas qu'il y ait du terrain ici, il y a que des petits chemins nuls. Ah, ça veut dire que j'ai une vie en plus, je crois. Quel dommage. J'aurais bien voulu vous montrer quand on a la petite bouée et qu'on patauge. Ah mais peut-être que je peux arriver jusqu'à petit lac là-bas. Tu t'étends même. Hop là. Un petit étang, hein. Un tout petit étang. Bon, ben ça va se passer en bas. Putain. Oh, j'y suis presque. Non, si seulement je pouvais traverser là. C'est quoi, Inner Tube? Mauvais cadeau ça. Ah oui. Oui. C'est ça qu'on veut. Je retrouve de la bouffe. Tu peux t'y foutre pas, le poteau. Enfoiré. Paf. Je l'ai eu. Faut arrêter boogie boogie. Il y en a un là-bas aussi. Tiens, un de moins. Je prends beaucoup de plaisir à refaire ce jeu en entier. Je suis très heureux actuellement. Ça se voit sur mon visage. Tiens, boum, encore un boogie boogie. Ah putain, il est de l'autre côté, l'ascenseur! Bâtard. Tété. Casse-toi, le boogie! Bon. Je
Boogie, 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 boogie. Ah ouais, mais si je vais tout en bas, moi c'est ça que je voulais faire. Oui. Oui, 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 oui. On est d'accord qu'il y avait une pièce, tu as pris la pièce, putain, je sais plus. J'ai un doute. Oh, ça y est, j'ai un doute. Gros doute là. Earl is a rap master. Yes. Oh putain, c'est loin. T'es out donc. C'est ça ce que je fais, hein. Ouais, on peut pas trop le faire avant. Je sais même plus si j'ai pris la pièce ou pas. Au moins on va pouvoir voir, après je ferai charger la partie. Encore un autre bouton de la triche. Bouton de la triche et tout. Bouton de la triche. Ah. Bisous Julien, merci d'être passé. Mais putain, il est chiant. Mais laisse, oh là là. Allez, passons le decoy. Go! Plop! Bisous Julien. Oh, on l'avait jamais vu celui-là non plus, mais il y en a tellement! Il m'en manque une ou deux pièces, je sais plus. Une pièce, putain! Une pièce, une petite pièce, et c'est la fin du jeu. Et Earl va retourner sur sa petite planète d'alien rappeur. Je pense qu'il y a une animation de 4 secondes. J'ai vraiment envie de prendre ce cadeau. Yes! Bon, ça va être temps d'axe là. Hein. Est-ce que c'est forcément au même endroit où il y a un côté aléatoire? Non, putain, c'est fou! Incroyable! Incredible! Voilà, nickel. Let's go!
l'ascenseur. Attention. C'était beau. Francis Deltaplane, on disait tout à l'heure, ça serait du Street of Rage pur. Street of Rage pur, j'aimerais bien faire un passage avec en quad. Comme les vieux jeux de voiture où tu vois la voiture de dos avec la route qui défile comme ça. Pour éviter des trucs. Ou faire une CP avec les flics. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mais il a remis son pantalon. Putain, c'est chiant, il manque une pièce là. J'ai trop envie de le finir. Évidemment. Beat'em up, karaté, bagarre. Faudra une option où tu peux jouer à deux. Soit Francis, soit Dark Francis. On est d'accord que je vais mourir là, ouais. Tiens, enfoiré. Je trouve de la bouffe. Allez, une petite route en béton, ça sent l'ascenseur ça. Allez, ciao. Foiré. Oh, il est là. Vite. Non. Tellement plus de vie, putain. Ouais, là c'était chaud. Mais j'ai tellement envie de le finir là, je peux pas m'arrêter maintenant. Il n'y a pas de pièces, évidemment, ils font exprès les bâtards.
Est-ce qu'ils font exprès parce que tout est complètement random. Tiens, on va gagner du temps. Non. Oh ouais. Magnifique. Plein de bouffe. Belle session de roquette. Ah. Bah oui, mais moi je vais arrêter pour aller manger, pour faire un peu de RP après. Et je vais vous montrer la fin surtout. Pip 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 pip. Allez, c'est reparti pour les roquettes. Je pense que ça va être en haut là. Ah, il est là, trop bien. Non. Carré. Oula, t'as un peu raté ce carré. Allez, let's go. Yes! C'est peut-être comme ça qu'on va finir Kid Caméléon aussi, hein, avec le bouton de la triche et la sauvegarde. Jeu infinissable. Allez! Putain! Let's go! La dernière pièce, putain, ça fait plaisir. Pas un super cadeau, ça. Hein. La dernière pièce. Félicité. La gueule. Alors on va finir Pyjama Nerd, c'est quand même la méga classe. Trop content. Il y a le niveau 0 aussi, enfin moins 1 même. Quand tu tombes, c'est marrant, c'est un jacuzzi avec les danseuses hawaïennes étaient dans le jacuzzi. Et il faut aller vraiment au niveau en dessous, faut y aller avec le. Par où je passe moi. Pas me suivre. Pidi pidi pip. En tout cas, on s'est refait un petit peu de vie. De vie, on est pas mal. Voilà, c'est ça que je voulais. Et ce truc-là, c'est ça qui sauve le gameplay de ce jeu. Hein. Les raccourcis qui se mettent, sinon ça serait horrible. Et je pense qu'ils ont dû le rajouter après. Yes! Regardez, il danse. Oui! Putain, j'ai pas vu ça depuis mes 30 ans! C'est un truc de fou. Je suis trop content. Et ça marche bien! Regardez, c'est Ghetto Blaster, les
des réacteurs. On va avoir le programmateur, je pense, là. En attendant d'aller sur la planète. C'est trop beau, j'adore. Et voilà. Game design, Craig Thompson. John Baker, Mark Miller. Ah bah c'est Craig Johnson qui a fait les dessins aussi, bien joué. Putain, je l'ai fini quoi. Bah il durait pas. Mais non, mais parce que là j'ai triché. Sans la triche, j'aurais jamais fini, hein. J'aurais perdu direct, j'aurais dû recommencer. Ça y est, on arrive sur leur planète. Trop bien. Va voir son copain, je pense là. Ouais. Putain, ça se méritait les fins de jeu à l'époque. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu peux jouer la fin. Ça ressemble un peu à la Terre, en plus mignon. Il y a des copains aliens. Welcome home. You made it. Yo, Kuz, what's up? C'est le maire, ça, peut-être? Maire de la ville? C'est trop marrant. My yo. Je suis trop content. Brac. Definitely jamming. Et lui, il est stylé, lui, avec ses petites lunettes. Looking good. Les petits backflips. Yeah. You're famous. Oh, le petit bonhomme avec la fichette. Yeah, j'adore. Achète-toi une ceinture. Alors là. Mais il n'y a pas le copain, il est où le copain? Ah, il est là le copain! Yes! Ah, c'est la famille. Regardez, c'est la famille. C'est trop bien. Il y a la famille de Earl. Avec un papa Earl qui fume un cigare, la maman, le petit frère avec les lunettes de soleil. Et la famille tout jam. J'adore. Je crois que je peux rien faire là. Y a pas de fin. On aura entendu cette musique. Hein. The end, ça y est. C'est vraiment un putain de jeu. J'adore. Trop bien.